passe, nous continuons donc. Vous, tu as appuyé sur le bouton, ce qui a ouvert ce fameux petit mur. Et vous devez vous dépêcher avant qu'il se referme. Allez, allez, faut que je me brouille, putain. Gun. Oh, et ton cheval et ton ours, ils peuvent pas ouvrir. Bordel! Je déconne, allez, sors. Allez, sortir, c'est bon. Willy! Donc. Appuie sur le bouton! On voit bien, tu sais, on l'entend taper un caillou. Bon. Gauche, droite ou devant? Alors. Bonne question. Et vous ne pouvez plus faire demi-tour. Bon bah ça y est, c'est décidé. Je les aime doucement dans les couloirs, je sais que tu les aimes bien, mais faut pas non plus. Alors bougez-vous. Bien détecté les pièges. MJ, y a-t-il des pièges? Non, tu détectes rien. C'est une bonne nouvelle. Bon. Le voyez-vous au fond? Mais j'attends que le... Non, je... Il y a deux portes. J'attends la description. C'est des du portes, MJ. D'accord. D'accord. Mais j'ouvre la porte devant. Ah, stop. Isem, quand tu es rentré, la porte s'est refermée immédiatement. Donc résultat, Séraphine et Cryops, à moins de vous laisser faire, vous me faites un test de dextérité pour échapper à la porte. Difficulté 15. Non, moi je reste avec lui. Ok, donc tu serais resté avec lui s'il te plaît. Riona. Je reste avec lui aussi. Ok, et le dragon est avec toi aussi. Hein. Donc la porte s'est refermée. Mince. Pourquoi tu seras avec lui? J'essaie d'ouvrir la porte. Tu n'y arrives pas. Oh, vous mince. Voyez que ça commence à s'ouvrir de votre côté, les autres à l'intérieur. Et ça commence à chauffer. C'est très très chaud ce qu'il y a sous vos pieds. Ah. On s'en fout, souffre draconique. Ok. Ok. On fait quoi? Je vais essayer de serrer la porte à toutes mes forces. Tu n'y arrives pas. De mon côté, vous faites à l'intérieur. Ah bon, on va l'aider à pousser la porte. Ça a fait une, qu'est-ce que tu fais? Poussons la porte. Parfait. Faites-moi s'il vous plaît un test de force. On va voir, on sait jamais. Hein. Pour de force, hein, comme d'hab. Tous ceux qui tirent, vous me faites un test de force. Je vais aider Jupiter à tirer aussi. Putain de merde. Fouf, eh ben nous. Hein. Alors 8, ça fait 12 heureusement que je suis là. Ouais. Plus 15, ce qui nous fait un total de 27. Voilà, deuxième. 57. Ouais, allez, ça passe. Tu arrives à ouvrir la porte, mais de justesse. Hein. Tiens, vite. Sortez. Sors, ça te brûle les pieds. Ça brûle les pieds. Oui, c'est ça brûle les pieds. Ferme très la chaud. Ferme la porte. Je ferme la porte. Non mais c'est juste le sol qui s'est petit à petit retiré en fait. La lave ne dépasse pas. Donc tu refermes la porte quand même juste au cas où, pas de soucis. Ça referme. On cache ça.
vous allez échapper à une autre mort. Ouf. J'ouvre cette porte là. Il n'y a pas eu assez d'expérience comme ça. Bah non, peut-être qu'il y a un trésor. On n'en a jamais assez. Tu ouvres la porte et voici ce que tu vois. Qu'est-ce que vous voyez dans cette salle? Une pute qui se balade en courant, elle t'appelle. Attends, je vais attraper. Je suis un prêtre, je vous signale que j'étais vœu de chasteté. Un peu de connerie, par contre, t'as pas dû le faire celui-là, hein. Ok, j'arrive. Un, deux. Voilà. Attends. Chacun de merde. C'est quoi le truc? Tu veux savoir qu'est-ce que ça représente, MJ? Un, deux. Et tu as coupé ton micro. Je suis un démon. Je suis un démon. 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 Réverbe. La réverbe. MJ. Réverbe. MJ, es-tu là? Attends, il s'est absent. Oui, Satan. Ta gueule. Attends, il a dû avoir. Mais un voilà, coupé. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit? Vérifie que t'as toujours bien le micro activé. Il est toujours activé. D'accord. Je t'emmerde. C'est censé représenter quoi le truc là? C'est une espèce de tête en forme de pierre. C'est visiblement un lion. C'est une statue? Une statue. Je la touche. Bien le bonjour, mortel. Putain. Ah, c'est qui ce... Dites-vous. La porte se referme vraiment derrière vous. Encore un truc à péter, je parie. Attendez. Non, pardon. Non. Là, je me trompe d'endroit. La porte ne se ferme pas du tout, au contraire. Là-dessus, je vous demande deux petites secondes. Ah, voilà. Pour passer, simple mortel, vous allez devoir ouvrir vos ailes. Voler plus haut que les cieux, afin de vous élever au rang des dieux. Vers, rime, tout me convient, tant que le chant a une bonne fin. Quatre phrases en soutien, afin de m'offrir une musique au goût de vin. Vous pourrez ainsi passer, mais faites attention. Fausse rime, mauvaise voix, et ce sera la déflagration. Survivant, pour la suite, veuillez ne pas m'agacer. Dans le cas contraire, le repas peut commencer. Et silence complet. Oh non, pas ça. Je crois que c'est la cata. Une tête de poète. Toi le prêtre, ça sert à quelque chose. Ah non, mais moi je vous le dis, si je suis obligé de chanter, moi je me casse. Allez, le prêtre, ça sert à quelque chose. Premier vers choisi. Joie, oie, lapin, galopin. Bon, voilà. Oie, lapin, galopin. Attends, tu fais un truc avec. Empli de joie, je vis une oie et un lapin jouant comme des petits galopins. Hey, il m'a pas de vitesse, l'enfoiré. C'est la merde, ta chanson. Il a pas dit de chanter. Bah si. Ouais. J'ai pas une tête de chanteur. Deuxième rime. Jace, pénis, amour, toujours. Ben, il est sérieux. Tout à fait. Ça veut dire quoi, Jace? Tu n'as pas envie de savoir. Non, c'est Jace. Jace, pardon. Jace. C'est quoi, ça veut dire quoi, Jace? Ce joyeux Jace sortit un joli pénis qui emplit d'amour les gens pour toujours. Mais chier, parce que j'avais vraiment un truc. putain. Troisième. Atmosphère. Père.
bambou, acajou. Bah, c'est truc de merde. Loin dans l'atmosphère, je vis alors mon père, okay, toi, me tenant c'est là, tes bambous et tes feuilles d'acajou. Et t'es où toi? T'es où là? Aucune réponse, il se passe plus rien. Silence total, il a dit. Il se passe rien, y'a plus rien. Ouais, c'est à prendre. Mais t'es sérieux? Oui, je te fous une baffe. Merci. Mais j'ai juste chanté, mais j'ai dit ce qu'il fallait, non? Apparemment, ça plaît pas au... Je vais ouvrir la porte. Elle s'ouvre. Très bien. Faites-moi un test de sagesse, s'il vous plaît. Agression. Jupiter... Non, n'importe quoi. C'est Nord, oui. Séraphine. Séraphine, ah. Séraphine, tu as un bonus. Donc c'est Eleanor, tu viens. Séraphine, vous venez avec moi en bas, s'il vous plaît. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. Vous sentez que très clairement, les rimes ont été choisies par quelqu'un en particulier, quoi. Je vois pas par qui. Du coup, Dark, passe en haut, s'il te plaît. Il y a un bonus pour Ilona. Oh bah d'accord. Ilona. Tu regardes la porte avec un peu plus de détails. Tu constates que le truc de chant là n'a rien à voir avec l'ouverture de la porte. Ok, c'était juste une mauvaise blague. Oui, tu reconnais le trait d'humour, le gros doigt dessiné. On remonte en haut. Il y a des gens qui ont beaucoup d'humour ici. Putain de truc. Oh, on est revenu. Mais qu'est-ce que c'est fait? Voilà. Est-ce que tu leur fais part de quelque chose, Rilona? Oh là là, ces gens ici ont beaucoup d'humour. Comment ça, Seraphine? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On va dire que l'ouverture de la porte n'avait rien à voir avec ça. Ah, oh, c'était une genre de blague, c'est ça? Max? Oui. Est-ce que c'est possible de renverser le lion? Non. Il est gentil le lion. C'est trop lourd. Même avec un tour de force. Aïe 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 aïe. Du coup vous passez dans une autre salle là. Non. Cryops. On recule encore. Attends. À l'autre carré. Attends une seconde. L'autre carré en haut. Voilà. Paf, quand t'as essayé de passer juste à la limite, tu t'es pris un mur invisible dans la gueule. Aïe. Qu'y a-t-il? Bah, avance, tu verras bien. Tape avec ma main. Ah oui. Tu ah touches, oui, effectivement, tu peux pas traverser. Bon, attendez. Reculez, s'il vous plaît. J'ai essayé un truc. Reculez. C'est un plaisir. Prends mon marteau et j'essaie de te donner un coup dans le mur invisible. Bah, ça fait rien. Oui, Zem. Et vu que ça risque d'être un peu difficile de le faire bouger, et je vais prendre mon couteau. Oui. Je vais y aller et je vais y aller en mode oui. Je vais improviser avec mon couteau pour, ok, bon bah dans ce cas vous laissez Isam ici pour 150 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites? T'essaieras de tailler un bloc de pierre avec un couteau, je vais rire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tâte le mur et c'est pour essayer de voir s'il n'y a pas un... Il est pas là le mur. Enfin, le mur invisible. Il est pas là. Il est pas là, il faut que t'avances. Ah bon, il est parti? Avance. Bon bah j'avance. Il est beaucoup plus loin, vas-y. Là. Bim. Ah, tu l'as bouffé. Là, il y a un mur devant toi. Voilà. Donc là, je tâte le mur, j'essaie de voir s'il n'y a pas un quelque chose ou quoi que ce soit. Non, non, c'est un mur invisible. Bah, j'ai l'air d'un bim comme ça, mais... Ce moment où on voit Sélénor faire le con sur le mur invisible. Bon alors, qu'est-ce que vous faites? Bon, j'essaye de...
De voir s'il n'y a pas une entrée quelque part, non. Et toi, ouais. Maître Lyon, vous avez pas... Parle pas. L'idée de... Bon, ok, là. Ok, ça fait chier. Jupiter. Jupiter. Oui, je suis là, vous m'entendez pas? Non, on t'entend jamais parler. Par contre, Izem, en devant toi, là, t'avais essayé de toucher ou pas? Oui, j'avais essayé de toucher. Tu m'as pas dit ça. Le résultat, tu passais. Enfin, j'ai dit que j'essayais de voir si je pouvais pas trouver une ouverture dans le mur. Oui, c'est... non, tu essaies de trouver une porte. Ça veut rien dire. Donc oui, là, tu passes. Tu peux encore... tu arrives, oui. Où est-ce que tu touches, exactement? Oh, putain, non. Dis-moi où est-ce que tu touches, Izem. Devant moi. Donc devant, y a rien. Enfin, tu... Il y a rien, je peux passer ou oui, tu peux passer. Il y a un mur. Ouh. Je te dirais, c'est un mur. Hein. Mais vous avez réussi à passer? Oui. Attends, passe encore, Izem. Passer. Je vais te passer pour voir. T'es toujours devant toi ou... Ouais, toujours ok, devant bah tu te prends un mur. Ok. Oh. À gauche. Où je crois comprendre. À la gauche, voilà. Oui, d'accord. Donc oui, vas-y. Là, tu peux passer. Tu sens pas de mur. Encore à gauche. À ta gauche ou... Non, par rapport à la salle. Par rapport à la salle. Donc tu te prends un mur. Ok. Tente par ici, MJ. En bas, tu te prends un mur. Non, c'est... tu te prends un mur, Selenor. Aïe. Et en haut, tu passes, Izem. Et tu es téléporté. Ok. Bouge pas. Je fais quelque chose. Alors. Un labyrinthe invisible. Voilà qui est bien embêtant. Tu finis ici. Oh. Oh putain non. Bon bah je suis Izem. Ok. Oh putain. Une seconde. Bon bah. Je vais vers la gauche. Tu finis donc avec lui. Izem, tu te prends un mur. Attendez, une seconde. Jupiter, tu rejoins le carré rouge? Ouais. Là où ils étaient? Ok, ben dans ce cas tu fais ça. Les autres aussi, j'imagine? Une seule personne par case, comme ça on se fait pas chier. Bon, attends, attends, on va faire un truc, effectivement. Alors attends. Izem, tu testes à gauche, à droite et en bas, c'est fermé, tu peux aller qu'en haut. Ok. Pour le moment, tu es juste ici. Donc, Selenor, tu es donc envoyé, Selenor, tu finis ici comme c'était prévu tout à l'heure. Ah, du coup. Alors, là. Voilà. Donc, Cédric, tu rentres dedans. Tac. Cédric, c'est qui ça? Oui, mais c'est Trion. J'y arriverai jamais. Par contre, Trion, toi, tu finis ici. Oula. Oh. Riglona et Cryops, est-ce que vous voulez aller là aussi ou. Est-ce qu'on le tente? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Ça m'inspire pas, bon, allez, allons-y, on verra bien ce qui se passe. Ça. Oh, c'est moi, juste je suis un tout autant inspiré. Allez, vas-y. Un labyrinthe invisible très chiant. Vas-y, je te laisse passer devant, je suis bien en la marche. Ok, Riona. Tu vas finir ici. Qu'est-ce que... Ah merde, j'ai pris le dragon. Tiens, pauvre dragon. Oula, il a grandi le dragon. Non, je l'ai déformé. Donc, Riona, tu vas finir ici. Cryops, toi, quand tu passes, tu es téléporté ici. Putain, j'ai pris la lanterne. Ça va, laisse la lanterne. Ensuite, Izem. On va faire casse par casse pour chacun, comme ça au moins. Oh. Tu peux pas. Ok. Selenor, où est-ce que tu veux aller? Tu peux rejoindre Izem, où est-ce que tu veux aller là? Je vais rejoindre Izem et je vais me mettre ici, tiens, pour voir. Ah mais d'accord, d'accord, là tu peux. Voilà. Jupiter. Je vais tenter de faire des cercles autour de moi là pour essayer de savoir. Non, tu fais une case. Celui devant moi. Bah, en dessous de la pièce. Tu prends un mur. Derrière moi. Ça fait deux fois devant moi là, tu me dis. Dis-moi en haut, en bas, à droite, à gauche, hein, parce que sinon. Ou alors nord. Ok, nord, en haut, tu arrives à avancer, est tu es là. Sud. Séraphine. Droite. Tu prends un mur. Ouais. Séraphine. Moi, je suis seul. Séraphine.
Ah, oui, donc si je me mets à droite, je me prends un mur, donc... Oui. Et tu peux encore avancer, t'as pas fait... T'as pas... Non, bon d'accord. Izem, Kriop, pardon. Je vais essayer de remonter vers Séraphine, voir si je peux. Y'a un mur. Ok, à droite. Bah non. Izem, tu sais quoi, on va faire comme ça, effectivement, juste une action. Ouais, ok. Izem. Je rejoins... c'est par contre, oui, voilà, et... pour rejoindre, on va dire que c'est gratuit. Donc, ensuite, tu veux aller où, Izem? Le sud. Tu te prends un mur. Jupiter. Ok. Bah, et moi. Ah oui, pardon, je t'ai oublié. Selenor, tu vas où? Bah, à droite. Tu peux y aller. Jupiter. Dis-moi droite, gauche, bas. T'es allé en bas. Droite. Jupiter. Oui. Il a dit droite. Droite. Oui. Droite. Il a dit droite. Bon, bah à droite, tu peux y aller. Séraphine. Bah du coup la gauche. À gauche et tu finis ici. Kriops. À droite. Tu te prends un mur. Izem. Izem, tu es là, toi. À droite. Tu vas à droite, ok, oui, parfait. Bah, donc tu rejoins Selenor. Ensuite, tu vas où? Bah, à droite, hein. Tu te prends un mur. Selenor. Ok. Mais en bas. Tu peux y aller. Jupiter. Je vais directement à côté de Selenor. Oui, comme vas-y, ça. Oui. Je vais continuer à droite. Tu te prends un mur. Séraphine. En bas. Tu te prends un mur. Kriops. À gauche. Tu peux y aller. Alléluia. La MJ a dû tellement se casser le cul pour ça, franchement. Galad. Petit GG. Galad. What? Ta gueule. Ils aiment. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas. Droite. Droite, tu prends un mur. C'est Lénor. En bas. En bas, tu peux y aller. Jupiter. Tu peux y aller. Séraphine. À gauche. Tu te prends un mur. Kriops. À gauche. Enfin, en face tu de peux... moi, quoi. Tu peux y aller. Izem. En bas. Tu te prends un mur. Selenor. Bah, du coup, à droite. Tu te prends un mur. Hein? Jupiter. À gauche, pardon. Si, à droite. Bah, non, tu m'as dit à droite, donc à droite. C'est Jupiter. Ouais, c'est ici. Sud. Tu peux pas y aller, je t'ai dit. Un mur. Ah, oh. Ah, tu parles de moi ou... Non, je parlais assez énorme. Okay. Ouais, tu restes là. Donc, Jupiter, tu te prends un mur. Ok. Séraphine. Oh. Tu peux y aller. Tu vas donc ici. Oula, pardon. Excuse-moi. Et tu finis ici. C'est pas du tout casse-tête. Kriops. En bas. Tu te prends un mur. Izem. À gauche. Tu vas à gauche, tu peux y aller. Tu finis ici. Selenor. En bas. Tu te prends un mur. Jupiter. À droite. Tu peux y aller. Séraphine. En bas. Tu te prends un mur. Kriops. Bah je remonte. Tu peux y aller. Ça y est, je me mélange les pinceaux. Kalad. À droite. Tu peux y aller. Attends une seconde. Tu finis ici. C'est énorme. Je vais à gauche. Tu vas à gauche. Tu finis ici. Et merde. Jupiter. Tout draconique sans les. Il en a tellement marre. Quitte électronique. Électronique, bon alors. Jupiter, pardon.
d'habitude, tu prends un mur. Séraphine. Séraphine. À gauche. Tu peux y aller. Kryops. Allez, j'espère, c'est trop con, mais c'est pas grave, je veux remonter. C'est un mur. Ouais, je me doute, je sais très bien. Galad. Oh. Tu peux y aller. C'est Lénor. En bas. Tu peux y aller. Jupiter. Droite. Tu te prends un mur. Séraphine. En haut. Tu peux y aller. On en fait film. Mais mets-nous un combat, on peut pas réfléchir. Kryops. Eh, à droite. Tu te prends un mur. D'accord, je suis bloqué, je peux plus rien faire, génial. Ah si, tu peux descendre. Calade. Je viens d'en bas. Justement. Max. Donc, gauche, bah gauche, je peux pas y aller, t'es con ou quoi, Calade? Non, c'est bon. Mon cerveau qui bug, c'est bon. Droite. Donc. Droite. Tu peux y aller. C'est Lénor. En bas. Tu te prends un mur, merci de me dire, plutôt que faire une action. Séraphine. Non, Jupiter, pardon. Gauche. Gauche, tu peux y aller, tu en viens, je te signale. Séraphine. En haut. Tu peux y aller. Kryops. Eh ben, je vais redescendre. Calade. What? Tu prends un mur. qu'est-ce que je veux dire? C'est Lénor. Je remonte. Ok, tu finis ici. Jupiter. Tu peux rejoindre l'Isème si c'est ce que tu veux, ou alors aller à pas. Ok, bah dans ce cas, à partir d'Isème, tu veux aller où? Jupiter. Non, à partir d'où? De là où tu es ou... Ah non, voilà, ben, tu vas à droite ici, comme l'a fait Isiam, tu te prends un mur. Séraphine. Droite. Tu te prends un mur. Kryops. Eh ben, on va aller à droite. C'est bon, tu peux y aller. Calade. Au-dessus. Il y a un mur. C'est Lénor. Gauche. Tu te prends mur. Aïe. Kryo, Jupiter. Jupiter. De haut. Non mais tu rigoles, il y a un mur. Il a fait Isam il y a deux secondes. Ah merde. Rimpez-moi sincèrement, Jupiter. T'es avec nous ou pas dans cette partie? Parce que je te jure, t'es totalement à la ramasse ce soir. Oui, je suis là. Ouais, mais enfin. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Séraphine. En haut. Il y a un mur. Tu as déjà fait en plus, il me semble. Kryops. Non, j'ai fait à droite avant. En face de moi. Donc à droite. Oui. Ok, bouge pas. Selon comment on est tourné, ça change tout. Oui, ça c'est sûr. Tu finis ici. C'est pas avec avec le nord et le sud normalement. Ok. Calad. Gauche. Tu peux y aller. Quand tu mets la musique, toum, toum, c'est Lénor. Toum, 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 en bas. Tu prends un mur. Jupiter. Gauche. J'ai pas compris. Par exemple. Toujours pas. Il va vers Isem. Ah, vers Isem, d'accord. Oh la vache, faut le comprendre. Donc vers Isem, et donc à partir de là, tu vas où? À partir de là, tu vas où? T'as deux directions. Le bas. Bon. Le bas, ok. Tu vas finir ici. Séraphine.
gauche. Tu vas finir ici. Criops. En bas. Tu vas finir ici. Super. Kalaz. Dors. J'ai pas compris. Au-dessus. Au-dessus, tu peux y aller. C'est Elenor. En haut. Tu peux y aller. Tu vas ici. Ah. Jupiter. L'idée de souffle draconien, ça tombe de plus en plus. Oh putain, si je l'ai fait porter de la merde. D'accord. Vous voyez donc la chaîne et souffle draconique sur des murs invisibles. Voilà. C'est Séraphine. Ça nous permet pas d'éclairer, de voir les murs en non. vrai du coup. Séraphine. Non, parce que le MV y a aucune connaissance des trucs invisibles. Séraphine. En bas, tu peux y aller. Criops. En bas. Tu peux y aller. Kalaz. What? Tu finis ici. Mon copain. Selenor. En bas. Tiens un mur. Jupiter. Bien sûr. Bon, là je vois que mon sou draconique a servi à rien. Donc je vais vers le bas. Me suicider. Tu te prends un mur. Séraphine. Je commence à avoir marre de me manger des commotions cérébrales à chaque fois. D'autres. Tu te prends un mur. Criops. En bas. Tu passes. Il va finir en premier le salon. Est-ce que... Waouh. Parce que lui il réussit toujours qu'est-ce qu'il fait, puis nous on est toujours... Tu continues de marcher? Bah je sais pas si je... Tu prends un mur. Bah attends, juste au prochain tour. Donc, Kalaz. Gauche. Vas-y. C'est les nord. En haut. Tu te prends un mur. Aïe. Jupiter. Quoi? Tu peux y aller. Séraphine. En bas. Tu peux y aller. Criops. Je vais voir le coffre en bas. Tu peux y aller. Est-ce que tu veux ouvrir le coffre maintenant ou... On attend tout le monde. Le temps qu'on va prendre... Bah, fais-leur faire un tour, j'irai marcher sur l'espèce de pentagramme au milieu après.